se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer Fifi qui passe bien sûr comme d'habitude à ma Fifi. Je suis là. Je vais vous montrer deux trois petits achats que j'ai fait chez Zeman pour le tricot, pas des pelotes hein, mais juste un petit peu, un tout petit peu de matériel. J'attends également une commande. Là, je ne sais pas quand est-ce que je la recevrai. Bon, je l'ai passée hier ou avant-hier, mais bon, exceptionnellement sur AliExpress. Ça fait un bail que je n'ai pas commandé sur AliExpress. Mais il me fallait des choses et puis bon, c'était moins cher là, bien sûr. Donc, c'était pour le tricot également. Et ce que j'ai commandé sur AliExpress, je les ai trouvés après chez Zeman. Mais bon, c'est rien, je les aurai en double, ça me servira toujours. Alors, je vais d'abord, et après, je vous montrerai donc ma petite installation, mon matériel pour le tricot. Alors, ce que j'ai trouvé, des petits marqueurs comme ça. Donc, j'en ai pris deux. Voilà. Donc, c'est comme des petites épingles à nourrice hein, en plastique. Donc, ça, ça va nickel. Donc, il y en a une vingtaine dedans. Voilà. Bon, vous voyez à l'envers. Hein. Je suis désolée. Bon, 59 centimes. Du coup, j'en ai pris deux paquets. Ça sert toujours, malgré que j'en ai déjà. Je vous les montrerai. J'ai pris ça. Des petites aiguilles à torsade, voilà, ça c'est pareil, j'en ai aussi, mais je me dis, parce que bon, celles que j'ai déjà, c'est à peu près les mêmes en plastique, je me dis, bon, ça peut casser, hein, donc je préfère en avoir d'avance, donc pareil, c'est 59 centimes, et donc la taille, c'est 3, 4 et 5 mm, voilà. Puis ça va, elles sont pas trop grandes, donc c'est nickel. Et j'ai pris en double, alors il y en avait plus que deux, c'était surtout pour ça que j'allais chez Zeman. Voilà, les grandes épingles comme ça, c'est les épingles quand on doit faire, c'est des arêtes mailles, des arrêts mailles ou des arêtes mailles, qu'on appelle ça. Je vous en montre. Dans la boîte également, donc c'est quand vous devez faire votre tricot et que vous devez mettre vos mailles de côté, donc vous les enfilez là-dessus, vous refermez, c'est comme une épingle à nourrice, hein, vous la refermez, et comme ça vos mailles vont pas partir pendant que vous continuez votre tricot en attendant de reprendre et remettre sur une aiguille pour continuer. Donc là j'en ai pris deux, par contre j'ai pas la taille, mais bon. Quoi, ça fait 10-15 cm et là une vingtaine de centimètres je pense, voilà. Donc j'ai pris en double parce que ça vaut mieux toujours l'avoir en double, parce que souvent des fois on doit arrêter des deux côtés, par exemple quand on est au niveau du col, on doit arrêter les épaules en attendant de faire le col ou les empiècements, donc vaut mieux avoir ça en double. Et là, j'en ai recommandé aussi sur AliExpress, parce que de toute façon, là, le pull que je suis en train de faire pour Chouchou, j'en ai besoin. Et le pull que je fais pour moi, j'en ai besoin, mais alors de plusieurs, parce qu'il faut que toutes mes pièces que je vais tricoter, il faut que je les mette toutes de côté pour après tout tricoter, finir le tricot en une seule pièce. Voilà, donc ça c'était 99 centimes pièce, voilà, bon, c'était pas, attention c'est Zeman, c'est pas cher, donc moi le Zeman, ici, moi j'en ai un en Belgique, donc juste à côté de chez moi, sinon après c'est en ville, mais à 25-30 km de chez moi, donc je préfère aller à celui de la Belgique, j'y suis en 5 minutes, donc voilà. Donc ça c'était mes tout petits achats. Ensuite
Alors, je vais vous montrer ma petite installation. Avant, je vais vous montrer mon petit trésor. C'est une boîte. Voilà. Comme ceci. Et ça ressemble les boîtes à crayons qu'on pouvait avoir dans le temps. Mais là, c'est, vous voyez la taille. Et on comprend tout de suite ce que c'est, hein. Donc, c'est une boîte pour mettre les aiguilles à tricoter. Et dedans, j'ai des aiguilles qui sont... c'est cela. Attendez, je t'en ai pas encore. Celle-ci. 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 Voilà. C'est trois paires là. Et je vais encore en avoir une ou deux paires en haut. Était avec la boîte. Et cette boîte, c'est une boîte à laquelle je tiens énormément. Les aiguilles aussi, malgré qu'elles ont déjà bien vécu, parce que c'est des aiguilles qui ont plus de 50 ans. Voilà. Et c'est un souvenir que j'ai d'une de mes patientes quand j'étais auxiliaire de vie, à qui j'ai malheureusement fermé les yeux. Et dont je m'occupais d'elle 12 heures par jour, donc 7 jours sur 7. Là, j'ai fait presque un an avec elle, comme ça. Et sa fille m'a laissé des petits souvenirs d'elle, des petites choses, comme voilà. Et elle m'a donné donc sa boîte à tricot. Et je suis très heureuse de l'avoir, qu'elle me l'ait offert. Et donc ça... C'est une boîte que... Et donc, ces aiguilles, c'est ces aiguilles qu'elle a tricotées avec. Donc, que la mamie avait tricotées avec. Donc ça, je les conserve très précieusement. Voilà. Hop. Donc, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Hop. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Hein. Et donc, je tenais à vous la montrer. Donc, c'est une boîte pareille hein, qui est... Elle doit avoir la date des aiguilles. Elle doit bien avoir 40 ou 50 ans également. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Alors, moi, ma boîte à moi est moins belle. Voilà. Donc, il me reste quelques aiguilles en haut. Mais c'est des bambous, j'aime pas me servir des aiguilles bambou. Donc mes aiguilles sont là pour ainsi dire, presque toutes. Bon, là il y en a qui sont sur mes tricots, bien sûr. Et mes plus grosses, ça va être ça, et celle-là, c'est pareil, c'est la même taille. Donc mes plus grosses, voilà, c'est du 15. Voilà. Et les plus fines, ça doit être du 2,5, je crois. Voilà. Mais j'aime pas beaucoup tricoter avec des très fines. Ça, j'aime pas beaucoup. J'ai des petites. Alors, j'en ai des courtes. Vous pouvez voir, là, vous voyez. C'est le genre. De... je vous montre par rapport à la taille des autres. C'est pareil. C'est. J'aime pas beaucoup, beaucoup. Parce que c'est pas assez long pour moi, je trouve. Moi, j'aime bien tricoter avec des aiguilles qui font 40 ou 50 cm. Bon, les 50, c'est un peu plus difficile à trouver. Mais qui font au moins 40, donc comme celle-ci. Voilà. Et donc là, moi, elles sont dans une petite boîte comme ça, que j'avais fait il y a un petit moment. C'est une boîte de Pringles, je ne sais plus, enfin les chips, là, vous savez, je ne sais plus comment on dit. Voilà, donc que j'avais recouvert avec du papier action, puis j'avais collé deux petites fleurs. Vraiment un truc tout simple, je me suis vraiment pas embêtée, hein, là, voilà. Ensuite, donc là j'ai descendu une petite boîte comme ceci. Alors, on va voir, là j'ai déjà mes embouts d'aiguilles. Alors ça, j'en ai recommandé parce que vous voyez, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4, 2 grands et les 2 petits. Donc ça, j'en ai recommandé. Je ne sais plus combien je vais en recevoir. Bon.
là, les petites épingles comme cela, comme celle-ci. Celles-là, je les avais eues avec les abonnements, vous savez, les fiches de tricot qu'on mettait dans les classeurs. Donc, je les avais eues là-dedans. Et j'ai eu cela aussi, donc les rondes. Je vais vous montrer. Essayez de ne pas tout faire tomber. Voilà. Et moi, j'appelle ça les petits escargots. Voilà, comme ça, les petits anneaux marqueurs en forme de petit escargot. Donc là, j'ai des grands. Il y a des grands. Pardon. Alors, je vais. Voilà, vous voyez, petits et des grands. Ça, c'est pareil, je les avais eu avec les abonnements, les fiches de classeurs tricot. D'ailleurs, ces classeurs, je les ai même revendus. Parce que bon, j'avais pas fini. L'abonnement, puis ça m'a, en fin de compte, ça m'intéressait plus pendant un moment, donc je les ai revendus. Bon, ça c'est pareil, c'était avec, mais ça je n'aime pas du tout, c'est les petits compteurs comme ça, vous voyez. Bon, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé. Et ça, c'est donc les petits embouts d'aiguilles que je vous parlais. Et là, toi, vous voyez. Donc on met la pointe de l'aiguille dedans quand vous faites vos tricots, comme ça vos mailles ne partent pas non plus. Je vais vous montrer sur mon tricot après. Et là c'est les, j'ai mis, c'est les boutons qui me restent du gilet que j'avais fait à ma petite fille. Donc un petit peu à la fois, je remettrai des choses dedans. Donc ça c'est les boîtes que j'avais en haut pour le scrap et que, qui m'en restaient. Alors, ici dans ma petite valise, alors cette valise là, il y avait dedans tous mes washi avant, que j'ai tout revendu, pareil. Donc c'est une petite boîte, donc c'est un, comme ça, avec un dessus qui s'enlève. Alors dedans, là, mes petits compteurs, ça d'accord, j'adore ça. Ça, je ne me sers que de cela. Là, je ne vais pas appuyer dessus parce que mes rangs sont enregistrés, donc sinon je vais tout perdre. Donc ça, vous le mettez comme ça à votre doigt. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré, mais vous le mettez ici à votre doigt. Hop. Voilà. Et puis vous tricotez. Et hop, vous avez juste appuyé pour vos rangs. Ça, c'est nickel ça. Donc j'en ai deux. Ben, ça tombe bien quand j'ai deux tricots en cours comme ça. Ben, j'ai un compteur pour chaque tricot. Et ça c'est bien. Si vous en cherchez, bon, ça se vend un peu partout, hein, même sur AliExpress. Mais chez Zeman ils en ont aussi. Hein. Ensuite, bon, j'ai les petites. C'est pareil, je les ai gardées, mais bon, elles ne me servent pas beaucoup. Que j'avais eu aussi avec les fiches tricot, les aiguilles à laine. Voilà. Mon maître, ça sert toujours. Un crayon, ça c'est pareil, hein, ça sert. Les petits ciseaux. Alors normalement, c'est les ciseaux de broderie. Mais bon, j'en ai une paire là. De toute façon, j'ai toujours des ciseaux qui traînent partout, moi. Donc, je suis pas sans ciseaux. Et en haut, j'ai une petite collection de ciseaux de broderie qui fera que je ressorte de la boîte, d'ailleurs, hein, un séjour. Parce que pendant un moment, je faisais une petite collection. Donc, voilà. J'ai un deuxième mètre, au cas où. là, mon aiguille à laine. Ça c'est celle que je me sers, hein, et c'est une en métal, hein, voilà. Je sais plus quelle marque, mais donc encore un petit compteur que j'avais eu gratos avec les fiches, pareil, que je n'aime pas, mais bon, c'est le genre de truc que je n'aime pas. Vous voyez, faut le, c'est avec le, faut tourner à chaque fois, et non, et là, je garde. Alors ici,
ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, mes aiguilles à torsade, vous voyez, j'en ai déjà un lot. Voilà. Donc, c'est exactement le même que celui-là. Hein. J'ai une aiguille à torsade, par contre, en métal. Alors, je ne sais plus quel numéro elle fait, ça, il faudrait que je vérifie. Voilà, donc ça, c'est une en métal. Je ne sais plus où je l'avais. Les épingles à rémail, là, j'en ai deux encore, comme ça. Un petit et un moyen. J'ai mes aiguilles à double pointe. Voilà, donc là il y en a 5, donc on peut faire des chaussettes avec, hein, mais j'ai jamais tenté les chaussettes, un jour peut-être. Moi je m'en sers surtout quand j'ai, quand je fais une gourde dans mon tricot, hop, pour attraper la maille, voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans le premier tiroir, ici. Et ensuite, dedans, donc à l'intérieur... Alors, les compteurs, à chaque fois, il y avait plein de compteurs. Là, c'est compteur comme ça, on dirait compteur de sport. Voilà. On appuie, là, c'est pareil, il faut appuyer là, voilà. Bon, on peut le mettre autour du cou, mais bon. Là, mes appareils pour faire les pompons. Bon, ça c'est très fin, je m'en sers, hein, mais si j'ai besoin de pompons, ben, j'ai mes petits appareils. Donc j'ai 3 tailles. Le tout petit pompon, le moyen pompon et le gros pompon. Voilà. Donc ça c'est super simple à faire. Si vous ne savez pas comment on s'en sert, dites-le moi. Un jour je vous ferai un tuto si vous voulez. Ensuite, j'ai mes aiguilles circulaires que je n'aime pas. Alors, ceux-là, je les ai où? Ah, moi, je les ai eu chez Zeman. Mais je les aime pas parce que, bon, le câble est pas très long. Puis, c'est du plastique. Donc, ça, j'aime pas tricoter avec des pointes en plastique. Bon, ça me dépanne pour l'instant. Là, j'ai vu pour en commander en métal avec des longs câbles. Bon, je verrai le mois prochain, ça pour ça. Après, j'ai tous mes crochets. Il doit m'en rester en haut encore. Alors, ceux-là viennent de chez Zeman. Donc, il y a 2 gros et 2 moyens. Voilà, taille 12, taille 10, 8 et 6. Voilà. Donc, ils sont en métal, ceux-là. Et là, j'ai en double. C'est ceux d'action. C'est en couleur, donc c'est ceux d'action. Donc là, j'en ai 2. Et j'ai 2 règles. Alors, bon, cela n'est pas tellement pratique. Pareil que j'ai eu avec les classeurs. Celle-ci aussi, je crois que je l'ai eu avec les classeurs, oui. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous avez des aiguilles, des fois les numéros s'effacent. Au bout d'un moment, vous ne les voyez plus. Bon, surtout pour les bambous, mais même les plastiques, au bout d'un moment, ça ne se voit plus. Donc, vous passez votre aiguille dans les trous. Voilà, et vous savez la taille de votre aiguille. Alors ça va, celui-là va jusqu'à 10, et celui-là jusqu'à 20 par contre. Donc là c'est pareil, vous passez là, voilà, comme ça. Là il va jusqu'au 20. Donc c'est pour ça que je garde les 2 quand même. Ensuite, mes 2 bobines que j'ai achetées il n'y a pas longtemps chez Rascol. Donc, elles sont encore toutes neuves.
C'est du fil à tricoter élastique, voilà. Donc je m'en suis pas encore servi, hein. C'est pour pourquoi j'ai acheté ça? Je sais plus. J'ai acheté ça pour un pull, mais je ne sais plus pour lequel. Ah oui, pour le pull col roulé avec les torsades que je n'ai pas encore fait. Oh là là. La télé va fort. Je suis en train de regarder le film pour au moins la 10e fois. Mince alors. J'adore ce film. Et là, j'ai vu qu'il sort cette semaine le numéro 2 au cinéma. Bon, je ne vais pas au cinéma, mais je vais attendre qu'il passe à la télé. Donc voilà. Donc ça, bah, si vous voulez, je vous marquerai sur en barre d'infos la référence. Donc là, je ne peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas bien, puisque je n'ai pas encore essayé. Et dernière chose, dans cette petite boîte à malice, des épingles de sûreté. Voilà, comme ça, des épingles à nourrice. Ils ne doivent pas me servir beaucoup pour le tricot, mais on ne sait jamais. Donc voilà pour ma petite boîte. Oups là. Et ensuite. Fermer ma boîte. Voilà. Alors ensuite, je vous prends la main pour vous montrer ce qui se passe là. Alors, mes petites boîtes sont là sur une petite table tabourée là, comme ça. Moi, j'ai le chauffage à côté de moi, donc je suis bien. Et j'ai ma petite malle où j'ai mes encours de tricot. Donc celui pour chouchou. Là, hop, on va mettre comme ça. Si on voit, non, on ne va pas voir. Si, on va voir. Hey, tiens debout. Voilà. Là, voilà où j'en suis sur le devant. Le dos est fini. Ça, c'est le devant. Voilà où j'en suis. Ça avance bien. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure pour les, vous voyez, que l'on met au bout des aiguilles, les petits cônes. En silicone, comme ça vos mailles ne ben, se barrent pas hein, dans votre panier ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est mes nouvelles aiguilles que je viens d'acheter chez Rascol. Alors je vais vous mettre une photo juste après que j'aurai fini de vous montrer mon panier pour vous montrer dans quelle boîte en carton ils m'ont envoyé mes aiguilles. Alors j'avais commandé cela parce que je les avais hein, en 6,5. Mais alors les voilà. Hop. Donc moi j'avais celle-ci. Mais c'est du plastique. Et le plastique, ça accroche, ça glisse pas, ça. J'aime pas. Ça m'énerve. Donc j'ai acheté celle-là chez Rascol. Bon, elles sont super bien. Bon, c'est un tout petit peu plus lourd que le plastique. Hein. Mais c'est de l'aluminium, hein, donc ça ne vous fatigue pas les mains. Mais alors là, ça glisse super. Hein. C'est la marque. Allez, hop, j'arrive à vous montrer. Si ça floute. Arrête de flouter. Arrête de flouter. Voilà, Prime. Alors, donc ça c'est le pull à chouchou. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais pour les avec les épingles. Alors j'en avais qu'une. Donc les deux épaules sont sur la même épingle là. Donc je vais pouvoir remettre une épaule sur une épingle. Parce que du coup là ça m'embête. J'ai peur que ça se déforme. Voilà. Hop, ma pelote. Là, c'est mon pull à moi. Donc, la première partie du devant est faite. Je dis la première partie parce qu'après, le haut va se tricoter en même temps que le haut des manches et le haut du dos. Tout va se tricoter en même temps. Ça, je ne l'avais pas vu quand j'avais choisi le pull.
Donc là, c'est ma réserve de laine pour mes deux pulls. Ici, tous mes livres que je vous ai déjà montrés. Hein. Et là, bah, j'ai plus que ma broderie que je vous montre en ce moment en tuto. Voilà. Alors, juste 2 secondes pour tant que je remette les tricots dedans et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de ranger ma boîte. Je vais la ranger après. Donc voilà, c'est ma petite vidéo du dimanche soir. Si vous voulez vous montrer un petit peu mon matériel. Bon, de toute façon, en tricot, il ne nous faut jamais beaucoup de matériel. Pour le principal, c'est qu'on ait des aiguilles et puis un ciseau, et après, c'est bon. Là, quand je recevrai ce que j'ai demandé chez AliExpress, je vous montrerai. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais recevoir, hein, si c'est dans 10 jours, 15 jours, un mois. Bon, malgré que maintenant, il paraît que AliExpress livre un peu plus vite. Peut-être. Mais bon, on verra bien. Mais ça fait bien... Ouais, presque 2 ans que j'ai pas commandé sur AliExpress, je crois. Donc, ouais, ça faisait vraiment un bail. Donc voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me les demander comme d'habitude en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des choses à me dire sur ce que je vous ai montré, bah dites-le moi. Si vous avez aussi des conseils à me dire, bah tiens, tu devrais avoir ça ou ça, bah dites-le moi aussi. Les conseils sont toujours bons à prendre également. Et puis maintenant, je vais finir de regarder mon film. Je vais monter ma vidéo en même temps. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous. Et si jamais il y en a qui partent en vacances, là, donc qui ne me reverront pas avant la fin de l'année ou l'année prochaine, bah bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d'année. Bisous, bisous.